Bonjour Monsieur Macron. Bonjour. Bonsoir. Je suis très heureuse de vous voir. Bonsoir les amis. Je suis très heureuse de vous voir, vous et tous vos soutiens qui sont derrière vous. Et il n'est pas là Robert Rue. Il ne voulait pas s'asseoir à côté d'Alain Madelin peut-être. Bon, alors, ni Alain Madelin d'ailleurs, il n'est pas venu. C'est vrai, ça ne doit pas être facile à gérer tous les jours pour vous. Alors je vous ai amené un cadeau. Regardez. C'est ce qu'on appelle une chasuble de sport. C'est ce qu'on porte au-dessus du maillot de foot. Et regardez, ce qui est formidable avec celle-ci, c'est qu'elle est réversible. Vous avez fait deux équipes. Oui, très pratique pour jouer dans les deux équipes à la fois, vous avez compris, on va s'entendre. Si vous devez parler avec Robert Rue, vous la mettez du côté rouge. Et là, Alain Madelin arrive, bim, le côté bleu. Et c'est, je vous l'offre parce que ça sera très très pratique pour les jours à venir. J'ai mis ça depuis mes plus jeunes années où on joue au handball comme ça, en effet. Ouais. Ça s'est bien passé, hein. C'était pas gagné parce que c'est le retour de Léa Salamé. Ça fait des semaines qu'elle a pas bouffé du politique, elle était affamée. Vous en êtes bien tiré, hein. Mais on vous a senti en confiance, monsieur Macron. Vous êtes tellement en confiance que vous avez accepté le ralliement de François Bayrou. Et là, il ne faut pas avoir peur de l'échec, hein. Heureusement, grâce à vous, on va avoir une magnifique première dame à l'Élysée. Intelligence, modernité, fermeté. On a vraiment hâte de vous voir franchir le perron de l'Élysée au bras de Pierre Gattaz. Et comme je le comprends, parce que vous êtes jeune et beau, vous êtes intelligent, vous avez la vie devant vous, mais pourquoi vouloir absolument tout gâcher en voulant devenir président de la République, hein ? Vous avez vu dans quel état ils sont aujourd'hui, Sarkozy et Hollande, vous voulez pas finir comme eux quand même. Sur le fond, j'ai trouvé que David et Léa étaient d'assez mauvaise foi, pardonnez-moi les amis, mais vous, monsieur Macron, vous commencez vos phrases par « je vais être très clair », et vous l'êtes, voilà, moi je vous ai compris. J'ai bien compris que vous étiez pour la sortie du nucléaire, sauf quand vous êtes pour le fait que vous soyez contre, et inversement. Et en même temps... Non, vous aussi maintenant, ça y est. Alors, à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, vous voulez évacuer les zadistes, mais pas tout à fait. Pour moi, c'est clair. Et c'est là que j'ai compris comment vous avez dépensé tout votre patrimoine. Vous n'êtes pas juste avec moi. Non, j'ai compris comment vous avez dépensé votre patrimoine. Je vous l'expliquais. Si vous êtes dans la vie comme en politique, vous n'arrivez jamais à vous décider entre deux paires de pompes. Vous achetez les deux, Hein. Si je puis me permettre... Mais je les achète toujours. Oui, on ne vous les offre pas, ça que vous voulez dire. Si je puis me permettre, le moment où vous êtes le moins flou, c'est quand même quand vous êtes en une de Paris Match. Alors, venons-en à l'invité surprise. La dernière fois, le nom de Christine Angot avait fuité. François Fillon avait été mis au courant. Alors cette fois, on a tout sécurisé. Mais on a quand même sécurisé cette semaine, David. David, ça fait une semaine qu'il appelle François Ruffin « Opération Colibri du désert ». Mais François Ruffin, pour vous faire face, franchement, on vous a encore flanqué un type en t-shirt. Alors que le mec boss, il peut s'acheter un costard. Bon, enfin, il aura peut-être l'occasion pour la sortie de son prochain documentaire qui devrait s'appeler « Merci Macron ». Moi, j'ai fait des bêtises avec... Même si j'assume totalement la phrase à l'époque qui avait choqué, mais c'était dans le vif du propos... Je ne suis plus le principal expert des costards dans cette campagne. Ce n'est plus chez moi qu'il faut venir tourner. Vous en sortez bien. Mais alors moi, pour l'invité surprise, j'avais une meilleure idée. J'avais suggéré à l'équipe d'inviter un soutien de Benoît Hamon. Et puis je me suis rendu compte qu'ils sont tous partis chez vous. Donc voilà. Alors à propos des vrais Français, à côté de Karim Rissouli, vos échanges se sont plutôt bien passés. Il faut dire que vous avez un avantage sur tous les autres candidats qui sont passés avant vous par ici. Vous avez bénéficié d'un entraînement en matière de vrais Français. Il y a deux jours... Puisque pendant le débat, vous étiez entre Philippe Poutou et Nathalie Arthaud. Bon entraînement. Après, vous avez eu droit ici au face-à-face avec Bruno Retailleau. Et là, il faut que je vous dise que Manuel Valls a essayé d'interdire l'avenue de Retailleau par 49-3, mais ça n'a pas marché. Mais vous n'en faites pas par rapport à François Fillon, vous êtes tout neuf. Vous êtes tout nouveau, vous me faites penser à ce baril de lessive, nouvelle formule. Et puis quand on l'ouvre, il y a Jacques Attali à l'intérieur. C'est comme avoir en main le dernier iPhone, mais qui fonctionne avec un processeur de Minitel. Ça lave pas beaucoup. Voilà, enfin, on se pose tous des questions sur le financement de votre campagne, évidemment. J'ai lu que le ticket d'entrée pour dîner avec vous, c'est 7 500 €. À ce prix-là, moi, je demande de passer la nuit avec vous, excusez-moi. Mais vous savez quoi, parce que c'est vous qui devrez payer à ce moment-là. Pour passer la nuit avec vous. Si je suis la logique de Charline, parce que ce n'est pas moi qui paye 7 500 €. C'est nous qui vont payer. Ça n'est pas vrai. Et sinon, ça coûterait très cher à mon épouse. C'est vrai, avec laquelle je me réjouis de dîner quand même le maximum de soir. Là, on va tomber d'accord. C'est que quand on pense à tous ces jeunes qui ont un vrai projet et qui se font refouler par les banques, c'est rassurant de voir qu'il y en a un ou moins de jeunes qui parviennent à se faire financer. Et ça, ça mérite des applaudissements. Merci Charline. Merci à vous.
Merci Emmanuel Macron, on est au terme de cette émission. Merci d'avoir été notre invité. Merci à Alix Bouillaguet et en même temps à Michel Dumoret qui ont préparé cette émission. Merci à Didier Froli qui l'a réalisé, à Anne-Laure Cahier pour l'édition et à Patrick Ponce pour la production. Merci surtout à vous de nous avoir suivis et écrits. Bonsoir Léa. Bonsoir David. Et on va se retrouver dans 15 jours pour une grande soirée politique à 3 jours du premier tour.